J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Nous sommes un jour avant le réveillon de Noël et pourquoi pas pour cette occasion aller faire une visite d'une île sur le thème de Noël tout simplement. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans cette vidéo, c'est une île que j'ai découverte très très récemment et qui me tente mais vraiment 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 et ça fait un moment que j'attends de pouvoir la tourner donc je suis trop contente que ça arrive aujourd'hui et en plus la vidéo sortira juste le jour avant Noël donc quoi de mieux. J'ai trouvé cette île sur le compte Instagram de tigerlily.acnh, je vous mettrai son Instagram bien évidemment sur l'écran et sans plus tarder on est parti pour le code onirique. Donc le code est 2437 2242 7046. Comme d'habitude je vous laisserai mettre pause pour pouvoir reprendre le code onirique et nous sommes partis. Oh la mise à jour Oh, elle a mis sa ville à jour sous la neige, tellement mignon. Alors, nous sommes dans la ville d'Artemis. Donc, sans plus tarder, écoutez, on est parti. J'ai le plan sous les yeux sur l'écran de gauche. Donc, c'est pour ça que des fois, vous pourrez me voir regarder vite fait vers la gauche pour voir où on est dans l'île, en fait. Donc là, on est à Santa Claus Parade. Donc, la parade du Père Noël. Par ici. Donc, c'est juste là. Ah, oh, c'est trop mignon. Oh, mais c'est trop chou. Avec les bâtiments derrière, version Noël, c'est vraiment adorable. Donc là, ok, donc là c'est la parade du Père Noël, donc là où le Père Noël défile, je suppose. C'est vraiment trop mimi. Dans cette île, on a vraiment, vraiment pas mal de choses concernant Noël, et à la fois, ça fait une île très, très naturelle. Oula, alors là, ça charge. On est arrivé dans la Diagon Alley. Oh là là, ça rend trop bien avec toutes les petites maisons, on dirait vraiment un village entier, c'est vraiment super cool. C'est vraiment, vraiment une île hyper intéressante, c'est très coloré, c'est vraiment, vraiment beaucoup de couleurs pour Noël, etc. Je trouve ça trop, trop cool. On arrive dans le Christmas Toy Shop, donc le magasin de jouets. Oh, mais c'est si mimi. Même les plages, elles sont décorées, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment super, super joli cette île. Toujours les petites maisons de poupées qui représentent des villages entiers, c'est incroyable. Je trouve ça trop, trop, trop stylé. Regardez-moi ce petit bâtiment, là, il est super bien fait. J'avais pas pensé à mettre un petit four en terre cuite au-dessus pour refaire la cheminée, etc. Ça rend vraiment bien. Ah non, là c'est pour faire la photo avec le Père Noël, c'est vraiment trop mimi. C'est trop chou. Trop trop chou. Donc normalement, au-dessus, on a le musée par là-bas. On va faire le tour, on va vraiment passer par la route habituelle. On va monter par ici, il me semble pas que je suis allée par là-bas. Ouais, donc du coup, là, on arrive... Waouh. Ah ouais, d'accord. Donc le musée, en fait, c'est... C'est super beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment hyper joli et super intéressant la façon dont il a placé le renne, le traîneau, parmi toutes ces petites maisons en jouets là. On peut vraiment penser que c'est une ville en fait, littéralement, littéralement une ville et c'est vraiment incroyable. Là c'est pareil, on a une vue à côté, attendez on va essayer d'y aller, on va essayer de s'y rendre. La décoration est vraiment cool, j'ai l'impression que c'est à la fois mélangé en mode automne et à la fois mélangé en mode hiver, donc c'est vraiment cool. Oh c'est trop mimi. C'est vraiment trop chou, on dirait vraiment des façades de magasins en fait, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup je crois que c'est par là qu'on doit regarder, ah ouais ouais, ah oui. C'est super beau, on voit pas trop à cause de la neige mais c'est vraiment hyper intéressant comme construction. C'est vraiment vraiment super intéressant. Si on va par là-bas, apparemment on a la ferme d'arbres de Noël, donc ça a l'air assez sympa, on va faire le tour, on va redescendre. La ville est vraiment très 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 complète et c'est vraiment super joli quoi. On a, ah oui, la fabrique d'arbres de Noël. Enfin, plutôt la ferme d'arbres de Noël. J'aime trop les cèdres, vraiment, avec les petites particules de neige dessus, comme ça. Je trouve ça très, 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 très beau. Ok, donc là, c'est vraiment toute une zone à sapin de Noël. Là, on arrive dans le shopping pour Noël. Voilà, faut que je passe par ici. Faut vraiment... Oh, c'est un espèce de petit marché de Noël, je crois. Avec plein, plein, plein de trucs. Des objets de Noël, décorations de Noël, etc. C'est vraiment trop, trop cool. C'est vraiment, vraiment très sympa. En passant par ici... Oh là là, mon dieu. Ok, donc là, nous arrivons dans The Hogwarts Castle. Donc, c'est un château, littéralement. Oh là là, c'est vraiment sublime. Regardez-moi ça, comment c'est vraiment trop, trop beau. Je prends des photos pour immortaliser le moment, parce que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment fou. On va aller visiter la maison, tant qu'on est là. Je crois qu'il n'y en a qu'une. Oui, il n'y en a qu'une seule. J'ai pas vraiment regardé la carte pour l'instant. On va la regarder dès que je serai rentrée dans la maison, mais c'est juste incroyable, c'est vraiment fou, l'île est vraiment très 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 bien meublée. Alors du coup, comme habitants, on a Ellie, on a Coco, Molly, Bibi, Abraham, Matteo, Coco, Ramsès, Mehdi, Irène et Melba, des habitants qui sont vraiment de couleur assez pâle, assez beige, etc. Je trouve ça sympa aussi d'avoir pris des habitants comme ça. J'aime trop l'intérieur de cette maison, c'est vraiment sublime. C'est vraiment 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 adorable. Cette petite pièce est vraiment canon, j'aime vraiment beaucoup. On a vraiment plein 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 d'éléments de Noël. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur le traîneau? Je savais pas qu'on pouvait s'asseoir sur le traîneau, c'est vraiment trop chou.
Oh là là, on va aller voir dans la pièce du fond, mais cette décoration est vraiment belle. Le mur est incroyable avec les grandes fenêtres hyper lumineuses avec les flocons de neige qui tombent. Bon là, y a pas grand chose dans cette pièce-là, mais ça ne m'étonne pas trop. Je suppose qu'elle a pas fini de tout décorer, ça m'étonne vraiment pas. Ça doit être compliqué de faire une île de Noël, déjà que la vidéo est tournée un petit peu à l'avance. Donc je pense qu'elle aura terminé vraiment pour le jour de Noël, j'espère en tout cas. Comme ça, vous puissiez au moins aller la visiter parce qu'elle est vraiment super belle, quoi. Je pense que ça pourrait vous donner énormément d'idées pour la décoration de chez vous. On va partir vers la gauche, enfin du moins on va essayer de partir voilà, par là. Ça lag vraiment beaucoup beaucoup dans cette île. Et on va se rendre directement voir The Nutcrackers. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, je crois que c'est le nom des petits lutins qu'on a au fond. De ces petits lutins là, enfin lutins... je crois que ça s'appelle vraiment Nutcrackers, un truc comme ça. Mais ok, je sais pas trop ce que ça peut représenter, parce que je vous avoue que ces petites figurines ne me disent absolument rien. Mais ce n'est pas grave, on va continuer la petite visite. C'est vraiment trop mimi, regardez ça! Waouh. C'est incroyablement beau, c'est fou! Elle a reproduit des bâtiments vraiment archi-colorés avec des cloisons qui sont vraiment, mais vraiment super beaux. Je vais essayer de redescendre par ici et on va redescendre un peu plus vers la droite. Car je crois que j'ai fait toute la partie haute, mais j'ai pas fait la partie basse. Alors on va essayer de repartir par là-bas. Donc on était là tout à l'heure, donc en descendant... Oh, il y a un petit chien, il est trop mignon, on dirait un petit dalmatien. C'est vraiment trop choupi, quoi. Vraiment, c'est adorable. Donc là, oh là là, on est vraiment dans les bâtiments de maison, quoi. Enfin, dans les bâtiments de maison. Je sais même pas comment catégoriser ça. C'est un village en bâtiment, en maison. Je sais pas trop comment le catégoriser. Et là, nous sommes du coup à côté du Floral Shop. Donc là, qui est une vente de plantes, si je me trompe pas. C'est très sympa, c'est vraiment très très mimi. Oh, puis on a un petit chouchou ici. Oh, c'est trop bien trouvé. C'est vraiment vraiment bien trouvé, franchement, c'est vraiment trop mignon. On a vraiment des petits bâtiments un peu faux partout, c'est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment super beau. On est maintenant dans la Christmas Berry Farm. Donc la ferme de fruits, je dirais. De berries, c'est les baies, non, les berries, je crois, un truc comme ça. D'accord, ok. Oh, regardez comme c'est trop beau, mon dieu. Franchement, les houes, vraiment, ça rajoute vraiment de la couleur, c'est trop trop joli. On va retourner du coup maintenant vers la partie droite, car on a fait la partie haute et la partie gauche de l'île, mais on n'est pas allé à droite. Donc j'ai hâte de voir ce qui nous attend. On va redescendre par ici, oui, on n'est pas passé par là, waouh. Oh, c'est splendide. Faut absolument que je prenne des photos de partout parce que c'est vraiment incroyable. Cette île est vraiment folle. C'est vraiment, 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 vraiment très très joli. Il y a vraiment beaucoup de travail sur cette île, ne serait-ce que pour faire les bâtiments en cloison, etc. Il faut vraiment beaucoup de temps pour faire ce genre de bâtiment. Donc c'est vraiment fou, je trouve. Holiday Train Ride. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, c'est un petit train. Oh, franchement, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Bon, après, il faut se mettre dans le bon angle de vue, mais les pneus représentent les roues, etc. Je trouve ça vraiment trop cool, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment trop limite. Vraiment, il n'y a aucun espace de l'île qui est libre, en fait. C'est incroyable, c'est vraiment décoré, mais à la perfection, en fait. C'est vraiment super cool. Et maintenant, on entre dans Christmasville. Donc, je pense que ça veut dire vraiment littéralement l'île de Noël. Hein. C'est... Enfin, la ville de Noël. Oh, c'est incroyable, ces petits bâtiments comme ça en déco, comme ça. Avec toujours des petites trails, avec des petits trains et tout. C'est vraiment trop chou. On a quoi ici? On a encore des bâtiments. On dirait plus un peu en mode western, ici. J'ai l'impression, mais c'est vraiment quand même très très beau. Plus vieille ville, je dirais. Plus vieille ville, ouais. Je pense que c'est plus ça le terme exact. Ici, on a les sorbottes fées. Avec tous les objets qui spawnent un à un, comme ça. C'est incroyable. Donc là, c'est là où travaillent les nains pour emballer les cadeaux du Père Noël. C'est incroyable. C'est vraiment super beau. Je suis en vue de haut parce que sinon, je vois pas trop à cause des bâtiments, des cloisons, tout ça. Mais c'est vraiment super joli. Il y a vraiment trop d'objets, par contre. C'est pas possible. À chaque fois que je fais un pas, il y a des objets qui disparaissent. On a le camping qui se trouve ici, du coup. Et on a une petite forêt par ici. Avec la petite maison des nains. Oh non, mais c'est trop chou. Ça représente la maison des nains de jardin. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on a sur la plage, là? On a le gingerbread house. Donc là, on a la maison en pain d'épices. Si j'ai bien compris la traduction exacte. C'est archi décoré. Il y en a vraiment de partout, de partout et de partout. Mais c'est tellement joli.
C'est tellement joli, c'est un truc de fou. Il reste une zone à explorer, je crois que c'est celle-ci du coup, celle qui se trouve en haut des escaliers. C'est Candy Cane Lane, donc c'est la... Oh là là, ouais. C'est l'endroit des sucres d'or, si je me trompe pas. Oh, c'est super joli, en plus ils ont mis des fleurs rouges et tout, oh là là. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment très très mignon et très très bien travaillé, quoi. Il nous reste juste les petites plages à voir sur la droite et on aura fait le tour entier de l'île. Je la trouve vraiment sublime. On va peut-être pouvoir passer par en haut, enfin du moins j'espère. À moins que je ne sois pas du tout mise au bon endroit pour passer. Oh, c'est trop chou. C'est vraiment, tout est meublé en fait, ça que j'adore. Il n'y a pas une case qui est liée, il n'y a pas une case qui est disponible pour accueillir un autre, un petit mauvaise herbe ou un truc comme ça. Vraiment, tout est pris et tout est à sa place en fait. C'est juste incroyable. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique pour le coup. Et écoutez, je pense qu'on a terminé le tour de cette île. Enfin, du moins, d'après la carte, on a fait tout le tour. J'ai le trouvé vraiment, vraiment intéressante pour Noël. Je m'attendais pas du tout à une ville comme ça. Ça fait vraiment une île en bazar et tout, mais c'est vraiment incroyable parce que tout a sa place, en fait. Et c'est pas possible qu'on dise que cette île est clairement moche ou quoi que ce soit parce que c'est... Elle est juste fantastique, en fait. Il y a vraiment tous les éléments de Noël qui sont présents. Il y a les décorations, il y a les villages entiers de Noël, il y a les nains qui sont à peu près partout dans la ville. Je trouve ça juste incroyable, c'est vraiment tout le temps l'esprit de Noël de partout dans l'île en fait, je trouve ça trop cool. N'hésitez vraiment surtout pas à me faire vos retours dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette île. Franchement, moi je suis totalement ébahie par ce que je viens de voir, c'est vraiment incroyable. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!